C'est parti ? C'est parti, c'est le pôle Nord. Alors, nous revenons, l'expédition au nord de Terra Deli. Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Rencontre du Deuxième Type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. On est toujours dans ma voiture et on se l'écaille grave, mais on est là pour vous présenter aujourd'hui le deuil de la famille. Et à ne pas confondre avec un deuil dans la famille. Parce que ça n'a strictement rien à voir. Même si le titre de le deuil de la famille... Tu l'as déjà lu, un deuil ? Non. Alors, un deuil dans la famille, faudra qu'on en parle. Parce que tout le monde dit que c'est génial, faudra qu'on en parle. Mais il paraît que... Enfin, moi, j'ai entendu dire qu'il fallait, il fallait juste lire le titre et regarder la couverture pour savoir ce qui se passait dedans. Hein. C'est un peu l'idée. En gros, je vous fais le pitch. Un deuil dans la famille, c'est l'histoire... Elle a d'important, et je ne spoil rien, puisqu'on le voit sur la couverture, et la nouvelle édition d'Urban spoil encore plus que la précédente. On voyait un Robin qui se faisait défoncer la tronche, mais genre, il y avait quelques gouttes de sang, machin. Là, clairement, on voit Batman avec Robin dans les bras, ensanglanté. Donc bref, on se doute bien du truc. Et il faut savoir que ce qu'il y a de culte dans ce récit, et ce qui fait le récit en lui-même n'est pas ouf, mais ce qui est autour, en fait, est culte. Parce qu'on a demandé au lecteur de choisir si Robin allait mourir ou non. Ouais. Et le lecteur a dit oui, qu'il meurt. Et donc, voilà. On s'en suit donc la mort de Robin à coup de pied de biche par le Joker. Dans la tronche. Alors bon, clairement, il y a clairement des similitudes avec ça. Il y a notamment des clins d'œil avec un œil dans la famille, puisqu'il y a un moment, Batman pulvérise la gueule du Joker un pied de biche. Mais le premier clin d'œil, c'est le titre. Aussi. Mais le premier clin d'œil, il est revendiqué par les auteurs. C'est vache. Donc un œil dans la famille, tout ça pour dire qu'on en reparlera. C'est pas mauvais, mais bon, c'est pas oufissime non plus. L'édition d'Urban, en plus, un œil dans la famille ne fait vraiment pas tout. Le truc, il y a des histoires affiliées, il y a des trucs notamment géniaux, notamment le Joker qui devient sénateur ou député aux États-Unis, à l'ONU. Donc vraiment, c'est exceptionnel. Donc il y a des choses un peu incongrues comme ça. C'est quand même tiré par les cheveux. Cheveux parce que c'est ancien, on est dans les années, il me semble, 80. C'est très années 80. Mais c'est sympa à lire. Mais de là à dire que c'est fantastique, pas du tout. Là, en revanche. Celui-ci, le deuil de la famille, ne sera peut-être pas aussi culte que son prédécesseur, mais là, il y a du bon récit. Là, il y a du contenu. Là, ça pète sa mère. Bah, ça frétille là-dedans. Mais quoi, c'est clair. De Scott Snyder, Greg Capullo et Jock. Alors, Jock, qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il a fait la colorisation ? Il fait des couvertures, non ? Je ne sais pas. Il est au dessin. Non, il est au dessin aussi. Ah ouais? Et Scott Snyder, on ne parle avec pas de James Tynion 4. Bah, là aussi, lui, par contre, James Tynion 4. Ah ouais, tu connais? Qu'est-ce qu'il fait, James Tynion? Il est connu parce qu'il fait. Flûte. Il fait. Si. C'est pas lui qui fait Detective Comics? Bah, peut-être. Hein. Aujourd'hui, chez Rivers. Où il fait... il a fait une série Batman qui est extraordinaire. Bref, aujourd'hui donc, le deuil de la famille. Ce qui est très intéressant avec le Joker, c'est que c'est l'antagoniste principal du Batman, c'est celui dont on se méfie, celui dont on a peur. Mais pourquoi ? Parce que justement, DC Comics et chez Urban, ils ont l'intelligence de le faire revenir de temps en temps. Et que le personnage ne soit pas un récurrent à outrance. Exactement. Contrairement à Wolverine, par exemple, chez Marvel, où on en bouffe à toutes les sauces. On a même créé plusieurs entités de Wolverine à différentes époques. Il y a le Old Man qui est dans la continuité. Il y a un Wolverine qui va revenir. Il y a le fils de Wolverine. Il y a eu du Wolverine. Est-ce que tu es en train de nous dire... Ta gueule. Et du coup... Non, mais effectivement, c'est quelque chose, ça que j'apprécie beaucoup chez DC, c'est-à-dire qu'on fait attention avec les personnages. Et par exemple, on ne voit pas beaucoup le pingouin. Moi, j'aimerais bien voir une histoire avec le pingouin, une vraie bonne histoire avec le pingouin. Et en tout cas, je sais pas si dans Rebirth, ils vont le faire. Je crois pas, parce que... Enfin, je crois que ça serait pas... Moi, je le verrais pas bien.
c'est pas un super vilain pour non moi. Mais c'est complètement pas comme le Joker comme mais non mais c'est, il arrive pas à la cheville du Joker, c'est pas le problème. Mais ce que je veux dire c'est que par contre, contrairement à chez DC ou au cinéma, on se sert beaucoup trop du Joker, je trouve. Bah oui, mais on devrait le laisser tranquille. Il a une puissance. Oui, mais j'espère qu'après le film de Joaquin Phoenix, là, qui à mon avis va être génial. Bah, mais là, il fallait en faire un film sur le Joker. De toute façon. Mais on va le laisser un peu tranquille. Je pense, ouais. Parce que franchement, alors par contre, moi j'aimerais bien que Joaquin Phoenix vienne dans l'univers DC. Exactement. Ça pourrait être bien. Et je pense que si le film marche, c'est ce qui se passera. C'est totalement. Là, on n'arrête pas de dire que. Non, mais on n'arrête pas de dire que ça n'est pas dans la continuité. Que machin, que bidule. Justement. Je suis persuadé que si le film marche, il arrivera dans la continuité. Mais tu trouves que chez DC, Warner, DC, ils font trop de Joker. Ah ouais, complètement. Parce que dans la trilogie de Nolan, il apparaît que dans, non, mais dans justement, le deuxième. Non, mais justement, très bien. Mais je trouve qu'on se sert trop du Joker et que là, par exemple, le Joker de Jared Leto. Alors, en même temps, c'est bien. Ah ouais, mais tu parles du Joker de Jared Leto. Par contre, ils ont eu l'intelligence d'en refaire un direct après pour que justement le personnage ne soit pas plié. Il est plié, il a été. Ouais, il a failli être plié le personnage à cause de Jared Leto, franchement. Bref, tout ça pour dire que donc je me suis attelé à ce tome juste après avoir lu La Nuit des Hiboux et La Cour des Hiboux. On fait revenir d'entre les morts le Joker qui jusqu'ici on était terminé. Alors je ne connais pas l'histoire d'avant. Non plus. Pourquoi il en arrive. Voilà. Mais en gros le Joker n'a plus de visage. Plus de visage, c'est-à-dire que la peau, oui, sa voilà. peau, il a été. Voilà. Vous verrez, on vous montrera des. Sauf des qu'il récupère son visage, donc, et le revoili, le revoilou. Il récupère son visage à la police de Gotham, dans le bureau de Jim Gordon. C'est ça. Semble. Et d'ailleurs, il y a une tuerie, un massacre, bah, d'ailleurs, on le voit, dans le commissariat. C'est génial. De toute façon, c'est bien simple, de tous les récits que j'ai lus. Alors attention, j'en ai pas lu des milliers non plus. De tous les récits que j'ai lus, mettant en scène le Joker, c'est celui qui m'a fait le plus flipper. Toute proportion gardée non plus, hein. J'avais pas les miquettes de malade non plus, mais j'étais fou quoi. Enfin, j'étais en suspense de savoir ce qui allait se passer. J'avais peur pour les personnages, j'avais peur pour Batman. Là, j'ai vraiment cru que Gordon allait y passer. La relation entre Batman, donc Bruce Wayne, et la Bat-Family est mise à mal, et jusqu'à la fin, que je vous révélerai pas. Où c'est encore plus mis à mal, on est complètement dans la folie du Joker, on a peur de ce qu'il va faire. Je veux dire, moi, il y a un moment donné où la Bat-Family est prise c'est chaud parce que je ne veux pas révéler non plus. Non, non. Mais est prise à partie, et on se demande vraiment ce qu'il va leur faire. On se doute, on a peur. Enfin, y a un moment donné où il agresse Alfred. Et c'est pareil, on se pose la question. Et tu avais pas, toi, Arkham Asylum ? Non, et j'aimerais bien l'avoir. Ah, par contre. Donc, t'as le Joker de Bermejo, peut-être ? Oui. Ah, et bien celui-là ? Je l'ai pas lu encore, je l'ai acheté dernièrement, d'occasion, pareil, il faut que je le lise. C'est un des trucs qu'il faut... Et en gros, à chaque fois que le Joker est en scène, à chaque fois que le Joker parle avec un des protagonistes, il y a par exemple à un moment donné où il y a Harley Quinn qui est là, et ils parlent ensemble, et on a peur pour Harley Quinn. On se demande s'il va pas lui découper les visages. La démonter, quoi. Dans le sens où il va là. Ouais, ouais, c'est vraiment. Tu viens de préciser dans quel sens pas il va la démonter. Il va la démonter dans le sens. Dans le sens où il va la démembrer. On a l'impression qu'il va. Ouais, il est. Je veux dire, là, il y a Batman qui est envoyé dans une cuve d'acide. On lui referme là. Moi j'ai eu peur qu'il arrive des problèmes à Batman. Mais puis scénaristiquement, les pirouettes elles sont bienvenues à chaque fois. C'est jamais capillotracté, c'est jamais trop quoi. On s'en fait. Alors moi j'ai un petit regret. Il y a des conséquences pour Batman et pour la Bat-Family à la fin du tome. Il y a des conséquences. Ça jouera, ça... Ah bah, c'est en ça... J'aurais aimé qu'il y en ait des conséquences plus définitives. Voilà. Là, elles ne sont pas définitives. Elles peuvent être... voilà. Mais j'aurais préféré qu'elles soient beaucoup plus définitives et expéditives. Mais le tome, en fait, il se finit... Enfin, ce tome-là ne se finit pas, quelque part. C'est-à-dire qu'on sait que quelque part, après, on va y revenir. Ouais. Et c'est ça aussi tout le génie du truc, c'est qu'il se passe ce qui se passe dans ce comics, dans le deuil de la famille.
Mais comme tu l'as dit, ça aura une répercussion sur chacun des personnages dans la suite de l'univers, en fait. Et je trouve que c'est juste ce qu'il faut. Je pense que si ça avait été plus, ça aurait été trop téléphoné, en fait. Vu dans quel état m'a mis tout le comics, je m'attendais vraiment à des répercussions hard. Voilà, il y a des conséquences, mais elles ne sont pas fermes et définitives, et j'aurais aimé qu'elles le soient. Bien sûr. On peut imaginer que si ces conséquences ne sont pas si extrêmes que ça, c'est que les éditeurs ils veulent continuer à faire évoluer chacun des personnages. Sûr. C'est ça aussi le problème. Et il y a aussi des plans. On est vraiment dans la folie du Joker et aussi dans ses vannes, dans ses blagues. On est aussi à fond. J'étais entre avoir peur pour les personnages et aussi me marrer des conneries du Joker. Quoi. Là, tu as la double page là, et là que tu montres. Cette double page là, elle est juste ouf. On a le maître Joker en. Bouffon du roi. Bouffon du roi, mais qui a pris la place du roi. Avec Wonder Woman, Green Lantern, Superman, Aquaman. Et puis de l'autre côté. Moi, ça m'a fait mourir c'est de rire. C'est terrible. C'est terrible. J'ai adoré. Et alors, c'est pareil. Extraordinaire. Il y a. Puis les personnages des méchants, là, Cobblepot, là, le pingouin, double face. Et ce moment-là, alors je spoil pas parce que dès la première page, on le voit. En fait, ils le mettent où tout le monde est à table et où tadam, le dîner est servi. Là, j'étais pas bien. Là, j'étais pas bien. Il faut dire ce qui est, j'étais pas bien. Bon, t'as un côté Alice au Pays des Merveilles ici, là, dans ce truc. Ouais, complètement. Mais de toute façon, il y a de ça tout le monde du truc. Dans beaucoup de Batman d'ailleurs aussi. Complètement. Mais en tout cas, non, c'est une super lecture. Si vous voulez passer un bon moment, si vous voulez rire, avoir les miquettes, avoir un Batman qui est vraiment dans les cordes. Totalement. Quoi. Et le Joker revient et le Joker en impose. Ouais. Le mec, on ne sait pas où il va aller. On n'a aucune idée de ce qui va devenir de la Bat-Family et de, complètement. Et de Batman. Franchement, c'est... Lisez-le, moi c'est vraiment une très très grosse claque. Et il sera peut-être pas aussi culte que son prédécesseur. C'est dommage. Mais c'est... Ça serait dommage. C'est en tout cas du bien meilleur récit. Et puis c'est Greg Capullo et Scott Snyder. Voilà, donc, et c'est ça. Et en ce qui concerne Un œil dans la famille, clairement, si on vous dit ouais c'est culte, ouais c'est machin, ok. Sauf que le culte, il est aussi bien dans la fiche Wikipédia, franchement. C'est mais après, voilà, pour votre culture personnelle, c'est sympa. Mais dans l'absolu, voilà, vous, il n'y a rien à retenir de plus que les fans ont choisi de faire mourir un tel ou un tel. Et puis là, on a vraiment. Là, le récit est ouf. On renouvelle quelque part aussi le personnage du Joker parce qu'il était, très stéréotypé jusque-là. Et je trouve que le personnage du Joker, il reprend la vigueur, reprend quelque chose. Et là, on a. Mais de ouf. Le Joker tel qu'on l'aime, quoi. Et tel qu'on le déteste aussi parce qu'il est flippant. Parce que si un mec comme ça existait vraiment dans. C'est clair. Et je pense qu'il pourrait carrément, ce tome, rentrer dans le nouveau label de DC, là, le Black Label. Complètement. C'est Black Label. Ouais, c'est ça. Et même, ça pourrait très bien être un film, clairement. Ah bah, totalement, bien sûr. Ah franchement, de ouf. Vraiment. Bref, moi, je vous le conseille très fortement. Ouais, il faut vraiment lire ce tome 3, Le Deuil dans la Famille, aux éditions Urban, de Batman, Renaissance, Volivolou, que ce soit un ticket de caisse, des comics ou un livre. J'ai envie de dire, il faut lire. J'ai envie de dire. Il faut lire. Effectivement. Le ticket de caisse, c'est important parce que des fois, on ne sait jamais. Il faut lire. Bonne journée à tous. Bon courage. Au revoir. Ciao, ciao. À la prochaine. Salut.